Yo l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media là et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media là. Bien nous pas perdre du temps, n'a commencé. Cool yeah. Ça, ça me tient là, ce contrat est pour réaliser un port sur rivière les Anglais qui mesure 206 mètres environ. Et son contrat me devine jeune. Et malheureusement, l'équipe qui était là n'a pas finalisé. Et il était financé par la Banque Interaméricaine de Développement. Et suite à l'entête de travail, ça n'a pas fait. Et président Jovenel, vle bay pou sa te depuis nan campagne te di moun les Anglais non te reprendre tout processus yo et finalement non te vin arrivé et c'est film chinoise qui arrivé gagner et contrat ça qui ba nou garantie et bientôt libral dès que nou ba la vente de démarrage libral commencer pour moi nous quoi nan 10 mois et n'est-ce pas vrai? C'est dans 10 mois que vous allez réaliser ce pont-là. On tient à remercier le ministre et son équipe et tous ceux qui ont travaillé dur pour la préparation du contrat. Et merci de nous avoir la confiance. Au moment de recevoir la notification de démarrer les travaux, on prévoyait de commencer les études immédiatement. Après, dans le café sorti un chèque, il était grave et acheté un enrobis qui donc a sa dire le nom et le nom. Et dans mon fournisseur, et demain matin, il fait chèque là le pays. Je dis, c'est tout à fait le contraire. Je dis, quel que soit fournisseur là, pour payer, suivant la loi comptable qui régit le comptable public, il faut au gain un contrat. Et bien, c'est dans le cas de ça que je dis, depuis que je suis venu 8 jours, je suis fini dans la tête ministère là. Maintenant, mes cadres légaux qui permettent moi j'ai un outil pour me travailler ça. On va le faire dans pile côté on a payé. Pas oublier, je dis un cadre légaux demandé non pour nous passer. Ça prend temps. Depuis 3 mois on a travaillé, c'est après 5 mois nous gagnons et possibilité pour nous gagner matériaux ça. Et nous gagnons on lance un avis tout pour 32 000 m3. Moi souhaité rapidement et pour finir et bider rapidement pour nous gagner 32 000 m3 ça pour nous faire enrobé partout dans le pays à côté et demander non. Parce que même si nous avons des cobs là, si nous n'avons pas réalisé le contrat, travail n'est pas fait. Et même si nous avons un ministre là, directeur là, si nous n'avons pas de matériaux, ça yo, eh bien, nous n'avons pas arrivé. C'est dans le cas de ça, c'est là avec nous. C'est lui-même qui va le faire et qui va aller produire les matériaux ça qui est enrobé, qui est vraiment c'est béton bitumineux, ce qui est fait avec béton, qui est fait avec asphalte. Et couramment haïtien il est l'asphalte et c'est limite pour le produire et c'est limite pour le mettre en place pour nous non, notamment en dedans et quadrilatère et mais l'autre n'a pas le prendre même n'a pas acheté même c'est nous qui avons fait mise en place ça et depuis tantôt 3 mois il y a des travaux qui a fait dans la zone rue de la Réunion rue Saint-Honoré mais c'est timide ben nous avons travaillé parce que nous pouvons gagner autorisation pour nous gagner asphalte pour nous faire couche de roulement. Yo. Donc nous travaillons dans le caniveau, nous travaillons dans le trottoir, nous travaillons dans le drainage avec et concrétisation et contrat qui signe là. Donc et sous peu, nous parlons d'asphalte non seulement pour nous mettre dans toute zone route, dans la réhabilité, yo, mais pour pas qu'être trou nous et ça et là, dans tout temps dans Port-au-Prince, toute zone métropolitaine, nous n'avons pas adressé le problème ça pour nous faciliter la circulation. Hein, pour éviter machine yo et pas craser avec tout. Donc nous pas le travail, c'est ça nous qu'on fait et nous fait le bien. Nous retrouvons nous qu'on y a sous route
Barrière battant, Saint-Raphaël, passé Inge qui me menait Port-au-Prince. Semaine ça a gagné asphalte qui était déjà commencé à mettre sous tronçon route ça. On a parlé de tronçon route, barrière battant pour aller Saint-Raphaël là. Eh bien, il y a un technicien TPTCO ensemble avec Film Comco qui continue à mettre asphalte sur route ça. En façon pour capable de faire mon jeune côté pour ce qu'il est bien. Nous connaissons qui est à route ça. Et mes jeunes sont là, asphalte continue à mettre sur route ça. Nous là avec ministre. Travaux publics, espoir communication et puis tout, directeur départemental TPTC Nord, là, Lila, tout, nous voulons quitter la population, ouais, image avec nous et puis tout, on va bien plus de détails concernant le travail sa cap fait sous route, Bayer Batan, Saint-Raphaël qui mène Echelon. Nous invitons à suivre. Barrière battant et nous avons prêt à 6,2 km route qui a privé bon ménard et pour nous faire il y a réalisé aux environs de 1 km. Ça qui est intéressant pour nous c'est faire route barrière battant qui pour arriver à Saint-Raphaël. Dans un premier temps il y a barrière battant ménard qui est 6,2 km, il y a ménard dondon qui est 13 km, il y a dondon et Saint-Raphaël qui est 18 km. Et hier, pendant ce route-là, aux environs de 11h du soir, par le minuit, le président Rélim lui demandait comment la route-là est. Effectivement, je suis dans la barrière battant, je dis que plus qu'un kilomètre route faite. Il dit que pas oublier, et la route-là, il faut arriver jusqu'à Saint-Raphaël. Et nous connaissons déjà, et Razel avec Bob fait Saint-Raphaël et Saint-Raphaël. C'est-à-dire que c'est lui-même qui constitue sa route national numéro 3, RN3. Donc, RN3, président Mandé et Alain Bakodem, qui est directeur départemental, là, qui représente le ministère des Travaux publics, c'est-à-dire qui représente le ministre dans la zone, il a une mission ça, pour réaliser barrière battant Saint-Raphaël pour nous avant décembre 2021. Donc, c'est travail ça nous avons fait. Pour nous libérer un, national numéro 3, deux, national numéro 1, cela signifie. Et au cap jouen parle. Et encore, pas oublier n'a fait route et Cafoujoff en Safoulet. Et n'a débouché en Safoulet au cap. C'est-à-dire trois voies pour entrer au cap. Donc c'est une façon pour nous au cap à jouen parle. Au cap à jouen parle au niveau de alimentation en eau. Assainissement en eau tout à l'heure, ouais, nous avons visité avec Dimitar côté et à partir de Bel Air. Il y a deux beaux réservoirs qui gagnent 2250 mètres cubes qui aux environs, pour me dire un gallon, 600 000 gallons par réservoir ça, qui cap permettre et robinet chaque famille gagne de l'eau là-dedans tous les jours. En termes de route, ouais, ça va être là. En termes de ville en tout, nous avons parlé tout à l'heure de route SOS, mais parler de bassin Rodo. Je parle de dragage de la mer, je parle de déplacement de la population aux environs des bassins Rodo qui peut aller dans le quartier Morin. Je parle de curage Belle Hôtesse, je parle de curage canal Zétrier, je parle de curage canal bassin Rodo. Donc, dans la commémoration 350 ans depuis au Cap créé, eh bien, il y a après au Cap Belle. Pour volonté président toujours exprimé, il faut qu'on moins refaire interconnexion avec toute commune en dans département et dans dernière visite dans département il était bien instruction pour permettre à ce que route Carrefour barrière battant pour arriver Carrefour Ménard lui-même l'y fait il a ajouté également Carrefour Ménard Saint-Raphaël pour nous même son deux buts de satisfaction n'a pas continuer contrôler et fournir garder ça qu'a fait notre travail et nous-mêmes nous pas la guerre TPTC travaux publics chaque jour nous baille supervision pour permettre à ce que travail aille plus.
Il va continuer, ouais, séparateur là, et il va avancer avec elle, et puis bientôt caniveau fait. Et il y a gagné plus de 2,2 km pour le bah, séparateur pour faire, et caniveau et trottoir autour, et puis ensuite et, traiter le littoral là. Donc, ouais, c'est où on a deux voies, chaque 7 mètres, totalisant 14 mètres, et en séparateur, on bande de béton au milieu. Donc ce travail sur Alain d'après, mais Alain d'A a beaucoup plus d'informations sur le travail et qui l'air que nous allons attendre que le travail soit fini. Alain. Et, normalement, ministre, et, nous allons peut-être nous rendre là pour fin septembre pour nous commencer à asphalter et chausser 7 mètres ça sur le bord droit là. Nous avons parti aménagement, comme nous avons parlé tout à l'heure là, sur parti aménagement que nous avons parlé avec coordonnateur et UICE. Qui gagne pour faire contact avec la Banque mondiale parce qu'ils ont été entendus pour être capables de financer partie aménagement pour nous. Donc nous-mêmes, fin septembre, nous avons commencé à asphalter les choses normalement pour être capables de connecter dans le pont Saint-Clair sur le boulevard. Qui est l'objectif de travailler ça? Bon, travail ça, c'est à cause nous connaissons la zone l'autre bon pont sur l'aéroport centre-ville, toujours il y a un pile blocus. Donc nous avons facilité pour nous gagner deux voies, une voie descendre, une voie monter, de façon pour être capable d'atténuer. Et blocus qui gagne en partie aéroport Kafou et sous boulevard aussi. Bâtiment tout neuf ça qui inauguré samedi 8 août là, chita sur une surface qui mesurait 250 mètres carrés, ligue en salle technique, bureau pour directeur, salle accueil, cafétéria, bureau administratif, communication, salle pour réunion et puis il respecter toutes normes d'après responsable dîner par yo. Ce nouveau bâtiment va pouvoir offrir sans aucun doute de plus grandes possibilités d'accueil pour nos clients où ils se sentiront bien et en confiance et aussi de plus grandes possibilités fonctionnelles pour nos employés qui depuis l'inauguration des travaux du SAEP c'était de Wanamet en 2014 était logé dans un conteneur où il n'y avait pas de moyens de se réunir. Infrastructure ça a gagné un paquet d'importance dans le cadre de travail à faire pour mener de l'eau dans le robinet caille chaque monde, d'après DG Guito Edouard. Quand vous multipliez 152 mètres cubes d'eau par heure à partir des trois ponts, c'est-à-dire des trois forages, par 22 heures par jour, donc nous parlons d'une production de 643 264 gallons d'eau par jour pour le centre-ville de Wanamet et de ses environs. Effectivement, certains riverains de Wanamet, avec l'extension de la ville, eh bien, ont besoin de l'accès à ce liquide ô combien précieux pour la vie humaine. C'est dans cette optique que nous sommes en négociation avec la Banque interaméricaine de développement au nom du gouvernement, au nom du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, au nom du Premier ministre Joseph Jout, au nom du Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, pour pouvoir eh bien, donner la possibilité aux autres personnes habitant la commune qui n'ont pas encore accès à cette ressource, eh bien, d'avoir dans une perspective d'avenir à moyen ou à court terme la possibilité quand même d'être branché au réseau de la DINEPA. Ministre PTCA, ingénieur Nadège Joasserise fait connaître. Projet ça a été réalisé dans plusieurs régions en pays
pour permettre de l'eau couler dans robinet population. L'eau, c'est la vie. La vie n'existe pas sans eau. L'eau potable en particulier. En ce sens, je suis fier de participer à la cérémonie d'inauguration du centre technique d'exploration de Waramette dans le cadre du projet d'eau, assainissement et hygiène en zone urbaine, périurbaine et rurale du Grand Nord d'Haïti. Félicitations à la DINEPA qui fait du bon travail en exécutant la politique en eau potable du gouvernement sous l'impulsion du dynamique directeur général Guido Edouard. Bravo Guido. Merci à la Banque interaméricaine de développement, BID, pour avoir consenti le financement du projet Port-Prince 3 Grand Nord dont dépend ce centre technique d'exploitation. Bureau tout neuf ça qui inaugure dans la commune Waramette, jeune financement Banque interaméricaine de développement BID pour un valet 15 708 554 gouttes. C'est FIM Martech qui te jeune contrat ça dans la date 20 décembre 2018 pour réaliser projet construction bâtiment ça pour DINEPA dans Waramette. C'est un forum qui est réalisé dans l'idée pour permettre divers acteurs dans la vie nationale là parmi les universités, cadre dans l'appareil justice là, by disons yo, sous constitution qui soulevait un pile débat dans la société, d'après protecteur citoyen, maître Renan Edouville. Le thème central là, c'est réforme constitutionnelle et régime politique. Nous gagnons toute une série de monde qui très souvent a intervenu sur la question constitution. Nous estimons que débat constitution, c'est un sujet d'actualité par rapport à toute notre question. Et objectif forum, c'est recueillir des données, point de vue, commentaires, analyses, réactions, tout le monde sous question débat constitutionnel là, pour nous voir comment que nous sommes capables d'arriver à un document de synthèse, un document de référence, un document de base que nous soumettons aux autorités au plus haut niveau. Au niveau de l'OPC, nous n'avons pas de position arrêtée pour le moment sous question constitution. Nous ne sommes pas capables de dire nous pour amendement, nous pour révision, bien nous pour adoption de la Constitution. C'est nous qui parlons d'île, c'est participer au qu'on seulement nous avons fait un document de synthèse que nous avons aux plus hautes autorités, c'est-à-dire au niveau de la présidence, au niveau de la primature. Revue constitutionnelle, amendement ou soit changement, quel que soit sacrifié fait là, il y a un principe qui ne doit pas changer d'après M. Douville. Nous croyons que quel que soit amendement qui est capable de faire, quelle que soit révision constitution qui est capable de faire, ou bien quelle que soit une nouvelle constitution qui est à adopter, eh bien, il y a des bagages pour respecter. Et parmi les bagages que vous respectez, il doit respecter la protection des droits de la femme, il doit respecter la protection des droits de l'enfant, il doit respecter la liberté de la presse, il doit respecter le principe de la non-discrimination, il doit respecter l'alternance démocratique, il doit respecter le pluralisme politique, il doit respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il doit respecter le principe de l'inamovibilité pour les magistrats. Donc c'est des principes qui sont fondamentaux, c'est des paramètres en matière de démocratie, c'est des bagages qui sont importants pour nous-mêmes en tant que droits humains, et c'est peut-être ça que nous avons goûté, quel que soit le cas de figure, que nous arrivions avec une nouvelle constitution, un amendement de la constitution ou bien une révision de la constitution, nous pourrons goûter pour que les bagages soient capables toujours dans la loi mère haïtienne. Maître Renan Edouville souhaite tout l'autre secteur dans la société à continuer à réfléchir une façon pour aboutir à une constitution qui prend en compte toute réalité société. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.